Voilà, nous sommes rendus à notre dernière partie de cette rencontre avec notre amie Mirella Angèle, qui est animatrice en gérontologie. Alors, c'est quoi le gérontologue exactement? Il fait quoi? Ben, Il s'occupe que des personnes âgées ou des franchement, pathologies? Il fait psychologue, il fait tout ça? tout ce qui, c'est-à-dire qu'en pédiatrie, c'est les enfants, et en gérontologie, C'est gérontologue, pas c'est les ça. personnes Donc, âgées. lui, il englobe tout le général de la personne âgée. Voilà. Mais En fait, on dit gériatre. Le médecin gérer. gériatre s'occupe des Oui. personnes âgées. Oui. Mais je sais qu'il y a un métier où il y a gérontologue Gérontologue, dedans, mais voilà. c'est pas tout à fait Oui, parce pareil qu'il que y a tellement l'animation en chirurgie. de Oui, il y a plein, hein, là, maintenant. Plus ça va, j'ai l'impression, plus ils vont en rajouter. Alors, il faut qu'on s'adapte. Hein. Alors, Mirella, nous avons vu l'essentiel pour répondre un peu aux questions de toutes ces personnes. Nous avons répondu, parce que vous avez... c'est votre travail. Vous faites ça depuis combien de temps, d'ailleurs? Ça va faire 6 ans là. 6 ans, donc c'est pas rien, c'est pas rien. Hein. Vous avez des bobines d'animation en tête et je me rappelle de la naissance de cette association. Cette naissance, moi je suis sa marraine hein, à cette association. Oui, je peux vous dire que on n'a pas fêté le baptême, mais enfin. Voilà, nous sommes donc en train de parler des aidants familiaux et nous savons que ce n'est pas tellement évident. Des animatrices, pas des aidants familiaux, d'animatrices en gérontologie, ça s'appelle aussi aider en quelque sorte, non? C'est-à-dire que nous sommes des aidants, toutes les personnes qui s'occupent des personnes âgées, tous les professionnels qui s'occupent des D'accord. personnes âgées devant des aidants professionnels. D'accord, très Et bien. même les aidants professionnels aussi doivent prendre du répit, donc des congés. Oui, des congés, oui. Voilà. Là, vous n'êtes pas parti en congé. Pas encore. Parce que votre moitié n'est pas là, mais je sais que vous partirez certainement à la À la rentrée. rentrée, oui. Et comment elle va, la petite demoiselle? Très Ça va, bien, vous très lui bien, oui. ferez, vous lui transmettrez le bonjour de Je ma n'y part. manquerai pas. Donc, on revient sur ces familles qui ont besoin d'animateurs, ces familles qui ont besoin d'assistance. Comment vous avez dit ça tout à l'heure? Vous m'avez dit un mot D'auxiliaire de vie, d'auxiliaire de vie. Alors, d'aide d'aide ménagère, de ménagère. psychologue. C'est-à-dire qu'effectivement, quand nous arrivons, on fait l'évaluation de ce que la Oui. personne a, de la situation, parfois elle n'a rien. Donc, Oui. on fait, parce qu'on travaille aussi avec les arts, on peut le demander de voir avec leur médecin pour avoir des séances avec les arts. Si c'est nécessaire de faire une orientation Maya, on fera une Maya. orientation Maya. S'il faut voir le CCAS, nous disons de voir le CCAS, conseil départemental. En fait, chaque cas est différent Ouais. et c'est spécifique en fait, parce que Oui. d'autres personnes, en fonction de la situation, peut-être qu'ils sortent de l'hôpital, on va dire de voir sa mutuelle, sa caisse de D'accord. retraite pour avoir une aide, par exemple, pour aider pour le ménage, pour ceci, pour cela, pour pouvoir que les gens puissent prendre du répit Oui. par rapport. Peut-être aussi à cette hospitalisation à domicile, parce que certaines personnes Oui. peuvent hospitaliser leurs personnes âgées au niveau de leur domicile, ce qui est le plus souvent le plus Oui. agréable pour la personne, mais les dents aussi, par rapport au fait que la personne est malade, a besoin d'aide. D'accord. Donc je disais en fait tout à l'heure qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre aide ménagère et Oui. auxiliaire de vie. Une personne âgée peut avoir les deux. L'auxiliaire de vie n'est pas une aide ménagère. Elle prend soin du cadre de vie de la personne âgée qui ne peut pas Oui. le faire seule complètement, c'est-à-dire la chambre, salle de bain, water, peut-être la cuisine. Oui. La galerie, si, mais si c'est une grande, elle ne peut pas prendre en charge Toute la toute la maison. maison. Oui. Elle n'est pas censée faire, parce que souvent, certains enfants, faut le dire, vous venez passer le week-end avec maman, maman est censée être seule, mais quand vous passez le week-end, vous ne faites même pas la vaisselle. Donc, si l'auxiliaire de vie n'est pas censée faire la vaisselle de toute Tout le la famille week-end de du la week-end, famille, oui. la famille doit faire un Un petit minimum, peu. enfin, je dis, normalement, Oui. voilà. Donc, l'auxiliaire de vie, normalement, quand elle vient, même s'il y a quelqu'un qui vit avec elle dans la maison, elle n'est pas à la charge. La personne qui vit dans la maison, pardon, n'est pas à la charge de l'auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie D'accord. n'est pas là pour faire sa chambre, n'est pas là pour faire sa vaisselle, n'est pas là pour faire son repassage, Récurer à la maison, passer la serpillière partout. pas S'il y a partout, cinq non. chambres dans la Non, maison, c'est pas possible. C'est que le cadre de vie de la personne âgée et la personne âgée en elle-même. D'accord. Donc il faut au moins, comme vous disiez aussi, une trentaine de minutes pour prendre soin de la personne, lui Ah oui, couper il faut lui les accorder. ongles, Ah oui, bien lui michonner. michonner, Ça doit pas habiller, être voilà. blam, 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 quand il en ouvrait. Ouais, à Non, il nouveau. faut prendre le temps pour lui donner de l'amour, la parfumer, lui passer sa crème, la coiffer, lui mettre ses bijoux. Et rien ne l'empêche de se
de continuer à mettre son rouge à lèvres. C'est quelqu'un qui le faisait. À moins, si jamais des mains aux occasions, je mettais tout vite. Quelqu'un comme Raphaël, quand elle devient âgée, il faut mettre tout pour elle. Son rouge à lèvres. Je pense que j'aurais déjà créé cette structure qui fera que j'aurai mon studio dans cette structure et bon azot qui a d'œil. Et nous, que voyez qui pathologie a développé, parce que c'est... En souhaitant que tu n'en dis pas. Je touche du bois. Donc, nous avons cette question aussi qui nous est parvenue par une bonne personne à moi. Et je lui ai donné vos coordonnées. Elle disait que sa mère était amputée d'une jambe et que l'auxiliaire de vie ne passait pas partout. Donc, nous avons eu la réponse. Mais est-ce qu'elle, qui est à la maison, est-ce qu'elle qui côtoie sa mère tous les jours, peut... avoir ce travail. Comme elle dit, on t'est bien voulu pour un travail là, ça. Est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle a la possibilité de le faire et qui financerait son salaire? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Comment ça pourrait se passer? Si c'est possible. Elle a la possibilité de le faire, mais ça fera double travail pour elle. Oui. Parce qu'il faut savoir que aidant est déjà un travail, c'est-à-dire que même si vous avez du personnel à la maison, c'est pour ça qu'on demande souvent aux aidants de dissocier tout. Oui. Parce qu'il y a des aidants, au moment, qui étaient infirmiers, ils sont auxiliaires de vie, ils sont aides ménagères, et ils sont filles, ou bien femmes, mari, peu importe. Il y a un moment où c'est plus possible, c'est épuisant, parce que la personne pathologique, déjà, psychologiquement, il faut pouvoir, parce que si c'est quelqu'un, par exemple, qui vous demande tout le temps la même chose, tout le temps machin, ou bien qui... peut-être déplace les choses, machin. Et oublie où elle a mis, elle est. Peut nettoyer, machin, peut uriner. Vous savez, ce n'est pas de leur faute, ça arrive. Donc, cet aidant se retrouve à avoir beaucoup plus de travail. Donc, même après le passage de l'auxiliaire de vie ou ceci ou cela, elle va encore avoir du travail. Donc, moi, je préconise le plus souvent, vaut mieux prendre une aide extérieure. Ah. Et c'est vrai que si la personne veut vraiment avoir le job, il faut qu'elle sache que dans la somme qu'on va lui donner, il faut qu'elle paye sa sécurité sociale. D'accord. Et la somme qu'on donne à l'aidant familial n'est pas la même qu'on donne à l'association. Ok. Alors, pour elle, il serait bon qu'elle crée une association, alors, avec des frères et sœurs, je ne sais pas. Par contre, effectivement, moi, ce que je dis souvent, et dans les familles que nous accompagnons au niveau de l'association Famille Rurale, on trouve une très bonne solidarité entre les enfants, des fois entre les cousins, des neveux, des nièces autour de leur famille qui se relaient. En dehors de nous professionnels, de l'auxiliaire de vie, de l'aide ménagère, parce que vous savez, il y a des familles qui ont un peu de tout ça, qui sont vraiment bien structurées, coach sportif, tout à la maison pour la personne. Et ils cotisent pour pouvoir payer les services de ces prestataires qui viennent autour de leurs parents. Parce que des fois, il y a papa, maman. Hein, les deux sont grabataires, les deux ont besoin d'aide. Parce que souvent, peut-être c'est un qui est malade, mais il faut pouvoir soulager maman ou bien soulager papa, parce qu'il y a des hommes qui s'occupent de leur épouse qui sont malades et qui le font des fois. Et ça, c'est bien avec le cœur. Avec le cœur, mais ils sont épuisés parce que peut-être c'était un monsieur qui n'avait pas l'habitude de faire le ménage autant. Donc là, il se retrouve à vouloir faire un peu tout. Donc, on va mettre en place un accompagnement autour de lui pour l'aider. Alors, nous avons dans cette liste de questions des gens qui demandent quelles sont les aides que l'on pourrait obtenir pour pouvoir soit aider ou soit devenir aidant ou que sais-je. Où est-ce qu'on peut déposer un dossier pour obtenir un peu plus d'aide pour pouvoir, par exemple, payer en partie une ménagère, une personne qui viendrait faire le ménage, ou alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des aides, la sécurité sociale donne des aides pour ça et ça, mais est-ce qu'il y aurait d'autres formes d'aide qui pourraient agrémenter la vie de ces personnes? Il y a de nombreuses aides, mais comme je dis, chaque aide est spécifique à chaque cas. Vous avez, par exemple, au niveau du conseil départemental, il y a qui finance l'aide ménagère parfois, mais il faut savoir qu'on peut vous demander de rembourser une partie de cette somme-là. C'est pour ça que je dis, Pourquoi on demanderait de rembourser, alors? Ça dépend. C'est-à-dire que si on sait, par exemple, souvent, ça arrive que dans certaines familles, il y a plusieurs enfants, mais tous ne sont pas aptes ne voient pas comment ils vont aider pour la maman. Si c'est un seul qui aide et qu'elle demande une aide en retour, donc on va étudier son dossier et
normalement, après, s'il y a, on sait que la personne peut avoir, parce que ça peut s'arrêter, parce que j'avais pris le document pour pouvoir montrer. Mais on peut montrer, on va essayer de montrer un petit peu, faites voir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs documents, l'un de la queue de. Donc, on trouve ça au conseil départemental, mais nous en prenons et nous, quand nous allons visiter les gens, nous leur remettons en fonction de ce qu'ils veulent. Donc, il y a l'aide ménagère, il y a l'accueil familial, l'aide à l'adaptation du cadre de vie, l'accueil permanent. L'allocation personnalisée à part. Oui, voilà, il y en a plusieurs. Il y en a une que je cherche. Donc, que je vois. Il y a l'aide ménagère. L'aide ménagère. Et c'est celle-là qui, le plus souvent, celle-là, on peut, on demande peut à être. Peut-être remboursé sur condition, ça dépend. Parce qu'il faut savoir que certaines, si les enfants ne prennent pas, sont trop loin, ne souhaitent pas investir pour leurs parents, parce que s'ils deviennent des obligés familiaux, c'est comme nous les parents, quand on a des enfants, on doit leur donner une pension alimentaire à un certain âge, s'ils ne travaillent pas. Mais après, il y a le revers de la médaille. Quand maman est âgée, si elle a besoin de certaines d'aide pour l'accompagnement, on lui donne. L'État donne une partie, mais les enfants aussi ont une partie qui reste à leur charge pour mieux encadrer, accompagner leurs parents s'ils veulent qu'elle reste à domicile. Et c'est même si elle va en structure. Donc, cette aide-là qu'on leur demande, cette contribution qu'on leur demande, s'ils refusent, on peut l'accorder aux parents. Mais en étudiant son dossier, on saura si elle a des biens, de ce machin, testament, et tout ça. Ils vont se renseigner. D'accord. Et quand la personne décède, avant que les enfants touchent au bien, il va rester s'il y a une maison. On rentre dans leur héritage. Voilà, le département récupère cette somme pour pouvoir reverser, parce que vous savez, c'est régulièrement. D'accord. Alors, vous avez plutôt intérêt à aider vos parents. Maintenant, si vous voulez garder la belle grosse voiture de papa, la belle grosse maison, si vous voulez vous partager le contenu du livret de caisse d'épargne, eh bien. Voilà. Merci de nous l'avoir dit. Moi, je ne peux pas prétendre à tout cela, les miens sont déjà partis. Mais vous qui êtes là et que vous avez papa, maman, prévoyez cette forme de cagnotte entre frères et sœurs pour pouvoir payer ne serait-ce que l'aide ménagère ensemble pour que l'État n'aille pas vous demander 10 ans à payer Bao. Quand on va faire qui j'ai ou quoi faire quoi rembourser qui j'ai et bien casa nous quoi garder toujours nous quoi vendre nous quoi bon restant c'est un peu ça oui voilà et ensuite j'aurais pleuré oui maman t'es nous assez quand papa t'es nous ici t'es nous là mais il quoi passer avant je l'ai toujours dit ça passe avant il passe avant les impôts aussi au cadeau qui a passé pointaille tout le monde qui a passé avant j'ai eu le cas de mes parents décédés ils ont passé garder et yo ben nous les dégrainer. Donc il faut bien faire attention. Mes parents étaient debout de merci yo étaient debout de ces maladies hein qui pas puis maladie blip hein. Le tout est fait même sorte de maladie là c'est arrêt cardiaque. Ah, oui. Mais l'État va voir si il y a quelques monnaies qui leur est due, ils prennent d'abord et ensuite ils vous donnent. Mais quand je dis ils prennent, il reste 14-15 ans hein, à faire leur ménage. Ça peut durer 14, 15, 16 ans. Moi, ça a duré 14 ans. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien vu venir. On dit, bon, de toute façon, on n'a pas tes besoins. On n'a pas tes... Tout le monde est déjà géré. Et un jour, comme ça, 14 ans après, on m'appelle, on me dit, oui, vous êtes légataire testamentaire de vos parents, etc. Mais, si vous voyez, il n'y a pas tes ni à y chercher, parce que tu n'y es pas. Tenu des timidités certainement des deux côtés, eh bien ils vont prendre et c'est tout à fait normal et logique maintenant. Oui, parce je qu'il faut aider d'autres personnes. Voilà, il faut aider d'autres personnes et ceux qui sont là, qui travaillent, qui ont les moyens de le faire, ne se mettent pas d'accord pour pouvoir faire les choses, pour aider leurs parents. Donc finalement, là il y aura quoi, il faut mettre en poche à autres, eh bien il ne faut pas nous crier non plus. C'est une logique parce qu'il n'y a pas rien qui y a. Il y a plein de gens en Guadeloupe qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'aide familiaux. Et vous avez la possibilité de vous faire aider, de vous faire conseiller par les CCAS. Les numéros sont derrière et à chaque fois, il est écrit de s'adresser au CCAS. À chaque fois. Mais on donne le numéro de téléphone 06 90 95 98 42. C'est le numéro de la personne que vous voyez là, Mirella Angèle. Mirella Angèle, je répète, 06 90 95 98 42. Et le numéro vert, si vous avez besoin de parler, encore. 0805 38 48 47 48. Et, alors, et j'invite par la même occasion les habitants des zones blanches qui sont Anse Bertrand
Petit Canal, Mornalo, Sainte-Rose-Marie-Galante et les Saintes, à nous contacter à ce numéro pour qu'on puisse mettre en place avec eux des accompagnements, voir ce qu'ils ont déjà. C'est un projet qui est financé déjà par le CNSA, RS. Alors, portez-moi en aide. Conseil départemental. Vous n'avez pas dit oui, mais nous arrivons trop tard, mais là, il y a tel monde, telle famille. Mais il y aura visioconférence. Covid ou pas, ça travaille. Et leur atelier, Tibité Criol, Ti Gâteau, c'est une association vraiment que j'apprécie. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à la rentrée, on essaie de voir si d'autres jours, parce qu'il y aura d'autres professionnels aidants, si on peut accueillir, parce que les gens nous le demandent, si on peut accueillir même soit une demi-après-midi, soit une demi-matinée, leurs parents pour eux. Et il faut savoir qu'ils ont une collation, ils soient un thé, du gâteau, du jus. Un accueil magnifique. Franchement, en tout cas, à l'image de ces personnes, de ces présidentes, de ces animatrices, en tout cas, famille rurale, à grand monde en nous. Et je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être venu. Merci. Et puis, il y a un ami qui m'a dit de passer vite fait pour lui qu'il loue un appartement à Vincent au Lamentin, tout neuf, il dit moins. Alors, numéro de téléphone est 06 90 34 04 73. Très bel appartement. État, mais vraiment neuf et sorti, fin livré. Et qu'à louer à Vincent Lamentin. Alors, portez-moi neuf. 4 pièces, 15. Merci en tout cas. C'était Raphaël. Et là.